Moi, je trouve ça déplorable. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça déplorable, quoi. Est-ce que tu participeras à la journée du souvenir de l'esclavage que propose d'organiser Chirac? Si c'est Chirac qui la propose. Et en imaginant, attends, en imaginant. Maintenant, il y a un truc qui existe déjà, qui est le 20-21 décembre, qui est la journée de l'abolition, enfin, tu vois, la commémoration de l'abolition, tout ça, taf, taf. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin qu'il vienne mettre lui, en plus, son grain de sel dedans. Quoi. Et alors, si c'était Dieudonné qui l'organisait, cette journée? J'irais pas plus. Je manifeste pas avec lui? Non. Franchement, moi, Dieudonné, je vais dire un truc. Moi, en tant qu'artiste, franchement, j'ai comme tout le monde, quoi. Le mec, il est drôle, il est brillant et tout. Mais là, je me demande s'il a pas confondu combat et fond de commerce, quoi, à un moment donné, parce que... Je trouve que le discours, le discours d'aujourd'hui, c'est un peu le même que le Front National, mais à l'envers, quoi. Tu vois, et moi, ça me fait un peu peur, quoi. Moi, nous, on n'est pas communautaristes, hein, nous. Nous, dans Devoir de mémoire, je crois qu'on est super représentatif de ce qu'est la France, quoi, en général. Et nous, l'autre truc, on a envie d'être français, hein. On est né en France, la France nous a fait, on est français, quoi. On a envie d'être français. On a juste envie que ça se passe un peu mieux, qu'on le respecte un peu plus. Quand on nous parle de colonisation, la colonisation, déjà, ça va à l'encontre de la démocratie, de la morale, de toutes les valeurs que défend normalement la République, quoi, à la base. Donc, nous, on s'élève contre ça, mais on n'a pas envie qu'il y ait une guerre des mondes, quoi. Surtout pas, quoi.